De la fin du printemps au début de l'automne 1271, aucune pluie ne tomba et ce fut pour le peuple une succession de journées torrides. C'est la saison pendant laquelle les paysans japonais repiquent le riz récolté à l'automne et une pluie abondante est nécessaire. Si elle vient à manquer, le riz, nourriture de base du Japon, ne peut pousser ni donc être récolté à l'automne. Complètement impuissant face à cette sécheresse, le gouvernement de Kamakura ne put que s'en remettre aux prières adressées aux divinités et aux Bouddhas. Le 18 juin, le gouvernement implora Ryokan, du temple Gokurakuji, le plus respecté de l'époque, d'offrir des prières pour faire tomber la pluie. Répondant à sa demande, Ryokan éleva une sorte d'estrade destinée au rite avec une soixantaine de ses disciples et commença à prier. Tout d'abord, il pensait faire tomber la pluie dans les 7 premiers jours, mais pas une goutte ne vint. Ryokan fit donc appeler des centaines d'autres prêtres du temple Taoji et ils poursuivirent leurs prières à voix haute pendant une autre semaine, sans parvenir à faire venir la pluie. Lorsque Nichiren eut entendu parler de cette prière pour la pluie, il lança immédiatement à Ryokan un défi que ce dernier releva fièrement. Ce défi était le suivant. « S'il pleut dans 7 jours, je renoncerai à mes affirmations et deviendrai disciple du révérend Ryokan. S'il ne pleut pas, cependant, vous devez admettre que vos enseignements ont été erronés et adhérer au Sutra du Lotus avec vos disciples. » Ryokan releva le défi. Il commença à prier en toute confiance et ses prières se terminèrent en fiasco complet. Mais il ne respecta pas l'accord conclu. Nichiren relate cette affaire dans divers écrits. Ryokan n'en nourrit que plus de rancune envers Nichiren pour avoir été humilié en public. Tous les autres prêtres bouddhistes vivant à Kamakura, qui respectaient Ryokan comme leur chef, compatirent et projetèrent de prendre Nichiren au piège sous de fausses accusations. Pour commencer, ils incitèrent un prêtre nommé Gyobin à proposer un débat à Nichiren. Le 13 juillet, celui-ci fit une réponse écrite à la demande de Gyobin, affirmant que le débat devait être proposé au gouvernement et recevoir l'autorisation d'avoir lieu en qualité de débat religieux pour distinguer l'enseignement orthodoxe de l'enseignement erroné. Leur machination découverte par Nichiren, Ryokan et les autres prêtres portèrent contre lui des accusations sans fondement au nom de Gyobin et devant le gouvernement. Le gouvernement ordonna à Nichiren de répondre par écrit à ces accusations ainsi que le voulait la loi de cette époque. Nichiren prit immédiatement la plume et clarifia de façon explicite pourquoi il définissait comme hérétique les autres écoles, citant des sutras, tout en réfutant Ryokan et sa suite, au lieu de viser Gyobin. Lorsque le gouvernement donna sa réponse aux prêtres, ils n'eurent rien à répliquer. C'est ainsi que leur conspiration échoua. Cependant, profondément vindicatif, Ryokan et d'autres complotèrent alors contre Nichiren, mais en coulisses. Ils comprenaient parfaitement qu'il leur était impossible de le vaincre par de belles paroles. Ils s'insinuèrent dans les bonnes grâces des femmes des personnalités politiques et, grâce à leur influence, poussèrent le gouvernement à prendre des mesures contre Nichiren. Ainsi, le Bakufu, gouvernement féodal, arriva à la conclusion qu'il devait directement convoquer et questionner Nichiren. L'interrogatoire eut lieu dans les bureaux du gouvernement le 10 septembre 1271, dirigé par Eno Saemon Nojo Yoritsuna, chef de l'armée et de la police. On dit qu'il haïssait déjà Nichiren, en partie parce que son oncle, Joben, était un disciple éminent de Koben, prêtre renommé de Kamakura et grand théoricien du sanctuaire Ashiman à Tsurugaoka. En fait, Eno Saemon rencontrait Nichiren pour la première fois à cette occasion. Par la suite, il fut la Némésis, déesse de la vengeance, qui persécuta non seulement Nichiren, mais aussi ses disciples sa vie durant. Nichiren relate la discussion qui eut lieu lors de l'interrogatoire dans « Les actions du pratiquant du Sutra du Lotus », écrit page 768 à 788. Ce texte contient d'inestimables informations dans la mesure où il décrit précisément toute une série d'événements. Il commence peu avant l'interrogatoire du 10 septembre,
se poursuit par la persécution de Tatsunokuchi deux jours plus tard, puis par l'exil à Sado, la grâce et le retour à Kamakura, et se termine par la retraite au mont Minobu. Ce texte sert ici de référence à notre récit. Comme le décrit les actions du pratiquant du Sutra du Lotus, Eno Saimon demanda s'il était exact que Nichiren avait affirmé ce qui suit, ainsi qu'il en était accusé. Les défunts régents Hojo Tokiyori et Hojo Shigetoki sont tombés dans l'enfer aux souffrances incessantes. Les temples Kenshoji, Jufukuji, Gokurakuji, Shorakuji et Daibutsuji devraient être détruits par le feu et les grands prêtres Doryu et Ryokan devraient être décapités. Voici ce que Nichiren répondit. J'ai prononcé chacun de ces mots à l'exception de l'affirmation selon laquelle Hojo Tokiyori et Hojo Shigetoki seraient tombés en enfer. J'ai toutefois exposé les hérésies des écoles qu'ils suivirent de leur vivant. Puis Nichiren affirma « Toutes ces paroles ont été prononcées alors que j'avais à l'esprit l'avenir de notre nation. Si vous voulez la maintenir en paix et en sécurité, il est impératif que vous convoquiez les prêtres des autres écoles à un débat en votre présence. » Si vous ignorez ce conseil et me punissez sans raison, le pays tout entier regrettera votre décision. Si vous me condamnez, vous repousserez l'envoyé du Bouddha. Il vous faudra alors affronter la punition de Brahma et d'Indra, des divinités du soleil et de la lune et des quatre grands rois du ciel. 100 jours après mon exil ou mon exécution, puis au 1er, 3e et 7e anniversaire de cet événement, se produira ce que les sutras appellent des luttes intestines, des rébellions dans votre clan. Elles seront suivies d'invasions étrangères venant de tous les côtés, particulièrement de l'ouest. Selon toute vraisemblance, Eno Saimon tenait certain que toute autre personne aurait été terrifiée et aurait demandé grâce devant une telle convocation et un tel interrogatoire. Bien au contraire, non seulement Nichiren répondit carrément à la question, mais il fit encore des remontrances à son interlocuteur et prêcha l'orthodoxie du bouddhisme. Eno Saimon semble en avoir été profondément offensé. Savant calculateur, Eno Saimon n'agit pas sur le moment. Non qualifié pour prononcer une sentence, il projeta probablement de créer des ennuis à Nichiren en obtenant du gouvernement une décision aussi sévère que possible par le biais du rapport qu'il fit de l'interrogatoire. 2 jours plus tard, Nichiren adressa une lettre à Eno Saimon. Il exprimait sa joie d'avoir pu le rencontrer et lui parler en personne et affirmait que ce qu'il avait pu dire d'apparemment déplaisant n'avait pas d'autre origine que son profond souci du pays. Il demandait à Eno Saimon d'écouter avec un esprit large ce qu'il affirmait et de le considérer comme s'adressant à un haut fonctionnaire. On connaît habituellement cette lettre sous le titre « L'avant-veille ». Elle fut probablement envoyée à Eno Saimon avec une copie du traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Bien que nous n'ayons pas de détails sur sa réaction, on peut facilement imaginer que Nichiren lui parut encore plus haïssable. De toute façon, le gouvernement avait déjà décidé du sort de Nichiren. Dans l'après-midi du 12 septembre, Eno Saimon, à la tête de centaines de soldats en armure, se mit en route vers l'ermitage de Nichiren à Matsubagayatsu. Ainsi que Nichiren le relate dans les actions du pratiquant du Sutra du Lotus, ils fondirent sur l'ermitage comme s'il cachait un traître. Eno Saimon devait s'attendre à une forte résistance, car des prêtres avaient accusé Nichiren de détenir des armes et d'héberger un groupe de truands. Ils ne trouvèrent que Nichiren et ses quelques disciples. Eno Saimon fouilla tout l'ermitage, ordonnant à ses soldats de défoncer le sol et de jeter à bas les portes. Il pensait sans doute trouver des armes. Ses soupçons se révélèrent sans fondement. Dans plusieurs écrits, Nichiren mentionne un incident. L'un des soldats, Shubo, arracha du vêtement de Nichiren le 5e rouleau du Sutra du Lotus et l'en frappa au visage. Or, ce 5e rouleau contient le chapitre 13 du Sutra du Lotus, celui-là même qui prédit que le messager du Sutra du Lotus sera frappé de coups de bâton et d'épée. Voyant Eno Saimon et sa suite faire un tel saccage, Nichiren s'écria : « Regardez de quelle façon insensée se conduit Eno Saimon.
vous venez d'abattre le pilier du Japon. » À ces mots, Enno Saimon et les autres soldats pâlirent. Le cri de Nichiren dut transpercer la conscience d'Enno Saimon, car il agissait en sachant parfaitement que la situation menant à l'arrestation de Nichiren était injuste et illégale. Les soldats armés durent saisir qu'ils pouvaient être dans l'erreur puisque Nichiren protestait, alors que, pensait-il, un véritable criminel aurait dû être terrorisé. En tout cas, Enno Saimon arrêta Nichiren. Il l'accusa de trahison et décida de l'exiler à l'île de Sado sous la surveillance de Hojo Nobutoki, le gouverneur de la province de Sado. Nichiren fut temporairement placé sous la garde de ce dernier. Il fut décidé qu'il serait conduit chez Onma Rokuro Zaimon Shigetsura, le second de Nobutoki, vice-gouverneur de la province de Sado. C'est sous sa responsabilité que Nichiren devait être conduit à l'île de Sado. En réalité, Enno Saimon projetait sournoisement, en se rendant à la demeure du vice-gouverneur, de faire décapiter Nichiren à Tatsunokuchi. Vers minuit, Nichiren, escorté de samouraïs armés, se mit en route. Nichiren prévoyait ce qu'il attendait, la décapitation. Quand le groupe arriva au niveau du sanctuaire Ashiman, à Tsurugaoka, Nichiren descendit de cheval et, précisant aux soldats qu'il avait quelque chose à dire au Bodhisattva Ashiman, il s'écria « Bodhisattva Ashiman, es-tu vraiment une divinité ?» Moi, Nichiren, je suis le plus grand envoyé du Sutra du Lotus au Japon et je ne suis coupable de rien. Lorsque le Bouddha Shakyamuni enseigna le Sutra du Lotus, le Bouddha Tao, de nombreux autres Bouddhas et Bodhisattvas apparurent, brillant comme autant de soleils, de lunes, d'étoiles et de miroirs. En présence d'innombrables Bouddhas et divinités d'Inde, de Chine et du Japon, le Bouddha exhorta chaque divinité bouddhique à jurer de protéger l'envoyé du Sutra du Lotus à tout moment. Chacune de ces divinités fit ce serment. « Je ne devrais pas avoir à te le rappeler. Pourquoi n'es-tu pas présent ici pour tenir ta promesse maintenant que c'est le moment? Si je suis exécuté cette nuit et que je vais à la terre pure du pic du Vautour, je dirai immédiatement au Bouddha Shakyamuni que Tensho Daijin et Ashiman ont trahi leur serment. Si tu penses que cela sera lourd de conséquences pour toi, tu ferais bien de faire quelque chose tout de suite. » Nichiren réprimandant ainsi la divinité Ashiman dut paraître bien étrange aux yeux de ses contemporains qui vénéraient ce lieu. Remontant sur son cheval, Nichiren reprit sa route, entouré des samouraïs en armure. À la plage de Yuigahama, il demanda aux soldats la permission d'envoyer un messager à Shijo Kingo, qui était l'un de ses éminents disciples vivant à Kamakura. À Shijo Kingo, arrivé en toute hâte à l'annonce des nouvelles, Nichiren dit « Je vais être décapité cette nuit. J'ai chéri ce vœu toutes ces dernières années. Personne n'a jamais perdu sa vie pour le Sutra du Lotus. Je vais maintenant offrir ma tête coupée au Sutra du Lotus et partager mes bienfaits avec mes parents, mes disciples et mes fidèles, exactement comme je l'ai promis. » Alors Shijo Kingo en larmes répondit « Je mourrai aussi si vous devez être exécuté. » Avec ses frères, il tint les rênes du cheval de Nichiren et l'accompagna au lieu de l'exécution. Ils y arrivèrent bientôt. Cet endroit appelé Tatsunokuchi était le lieu d'exécution des criminels. À cette époque, l'exécution consistait à décapiter le condamné avec une épée. Tatsunokuchi n'était donc pas pourvu d'un équipement particulier. C'était une plage plantée de pins. Nichiren descendit de cheval lorsque les soldats le lui ordonnèrent et s'assit sur le sol. Très vraisemblablement, des feux avaient été allumés puisqu'il faisait nuit noire. Au moment précis où le bourreau levait l'épée au-dessus de la tête de Nichiren, alors que les autres soldats regardaient à distance, un étrange phénomène eut lieu. Un objet extrêmement brillant, semblable à un aérolithe, apparut soudain dans le ciel et le traversa du sud-est au nord-ouest. La plage fut brusquement inondée de la même clarté qu'à la pleine lune. Le bourreau tomba à terre, terrifié. Les autres soldats, effrayés, s'enfuirent ou sautèrent sur leur cheval. Nichiren leur cria « Pourquoi reculez-vous devant ce malheureux prisonnier? Approchez, plus près !» Puis il les exhorta. Et si l'aube se levait, hâtez-vous de m'exécuter car cela vous sera intolérable après le lever du soleil. Mais pas un soldat ne l'approcha.
Telles sont les circonstances de la persécution de Tatsuno Kuchi. Cet événement est celui qui revêt la plus grande signification dans toute la vie de Nichiren, ainsi qu'il le relate lui-même dans les actions du pratiquant du Sutra du Lotus, et surtout en raison du sens profond de cet événement. C'est ce que le bouddhisme nomme Oshaku Kenpon. Abandon de son identité provisoire, Shaku, et révélation de son identité véritable, Pon. Autre orthographe pour on. Shaku est l'image que l'on voit se refléter dans un miroir ou à la surface de l'eau, et on est la réalité qui crée l'image reflétée. Tiantai et d'autres grands maîtres du bouddhisme firent tout d'abord la différence entre on et Shaku lorsqu'ils établirent la distinction entre les capacités du Bouddha Shakyamuni telles qu'elles sont exposées dans le Sutra du Lotus. En d'autres termes, le Bouddha Shakyamuni qui enseigna la première partie du Sutra du Lotus est un Bouddha qui apparut en Inde et y atteignit la bouddhéité pour la première fois. Le Bouddha qui en enseigna la seconde moitié, toutefois, est un Bouddha qui, comme il le révèle lui-même dans le chapitre 16, Durée de la vie, ayant atteint la bouddhéité dans un passé inimaginablement lointain, Goyaku Jintengo, réside depuis éternellement dans ce monde. Afin de résoudre l'apparente contradiction des capacités du Bouddha Shakyamuni, le grand maître Tiantai expliqua que l'essence du Bouddha qui atteignit la bouddhéité dans un passé inimaginablement lointain est la réalité fondamentale, Hon, du Bouddha, tandis que celui qui l'atteignit en Inde pour la première fois est un de ses reflets, Shaku. D'où l'appellation de Honmon, Mon enseignement, donnée à la seconde moitié du Sutra du Lotus et celle de Shakumon, à la première moitié. La double identité du Bouddha Shakyamuni est également vraie de Nichiren. C'est dans le sens de Shaku que Nichiren se définit comme réincarnation du Bodhisattva Visistakaritra, Jogyo, le chef des Bodhisattvas sortis de la terre, à qui a été confiée la mission de propager la loi dans la dernière période de la loi. En revanche, Nichiren est la réalité fondamentale de On, lorsqu'il s'identifie au Bouddha du temps sans commencement ni fin, Kuon Ganjo, qui incarne la loi éternelle ultime que le Sutra du Lotus essaie de révéler par ses enseignements complexes et extrêmement subtils. Dès qu'il établit sa doctrine à l'âge de 32 ans, Nichiren agit en tant qu'incarnation du Bodhisattva Visistakaritra, et ce jusqu'à la persécution de Tatsuno Kuchi. Après cet événement, il considéra que sa vie, telle qu'il l'avait vécue jusque-là, se terminait à l'instant de la tentative d'exécution. Dès lors, sa vie fut celle du Bouddha sans commencement ni fin dont parle le cœur, Kanjin, du Sutra du Lotus. Cela ne signifie pas qu'avant la persécution il ignorait sa véritable identité. Il la connaissait déjà lorsqu'il déclara sa doctrine ou même plutôt à 16 ans lorsqu'il parvint à la connaissance au temple Seishoji. Mais cet éveil était intérieur. Ce fut la base de ses actions qui changea radicalement après la persécution de Tatsuno Kuchi. C'est pourquoi en arrivant à Sado, Nichiren commença immédiatement à écrire le traité sur l'établissement correct pour la paix dans le pays, dans lequel il affirmait être le Bouddha sur lequel tous les hommes pouvaient compter dans la dernière période de la loi. Il décrivit abondamment dans d'autres textes ce que représente le fait d'avoir foi en l'orthodoxie du bouddhisme. Avant l'exil de Sado, Nichiren encourageait particulièrement les fidèles à réciter Nammyoho Rengekyo et à affermir leur foi. Après la persécution de Tatsuno Kuchi, il élabora avec minutie le principe de l'essence de la loi, objet de foi. Il faut bien comprendre ce point pour lire et étudier les nombreux écrits de Nichiren Daishonin qui existent actuellement. Pour en revenir à notre récit, les soldats qui renoncèrent à exécuter Nichiren à Tatsuno Kuchi l'envoyèrent à la demeure d'Onma Rokuro Shigetsura, ainsi qu'il était prévu à l'origine. Il y resta un mois environ, jusqu'au 10 octobre. Dans l'intervalle, le gouvernement connut une certaine agitation. Il arriva au régent Ojo Tokimune, un événement fâcheux dont nous ignorons les détails. Lorsque le gouvernement consulta un oracle à ce sujet, celui-ci déclara qu'il s'agissait d'un effet négatif pour avoir injustement puni Nichiren. En conséquence, le gouvernement décida de libérer ce dernier. À cette époque, des incendies criminels et des meurtres se succédaient rapidement à Kamakura et des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles les disciples de Nichiren en étaient les auteurs. En réponse, le gouvernement durcit son attitude et changea d'avis. Il fit arrêter les disciples et décida d'exiler Nichiren à Sado, ce à quoi il avait été condamné à l'origine. Quant à Nichiren, il semblait s'être préparé à au moins un exil de plus après celui d'Izu.
S'il était l'envoyé du Sutra du Lotus, comme le prédisait le chapitre 13, l'envoyé du Sutra du Lotus sera banni encore et encore. Il devait s'attendre à voir tomber le jugement. Cette série de persécutions, toutefois, troubla profondément ses disciples. Les principaux d'entre eux, tels Tokijonin, Soya Kyoshin, Ota Jomyo, Shijo Kingo et Nanjo Tokimitsu, n'étaient pas à cette époque impliqués dans la vague de persécutions. À en juger d'après les écrits qui nous restent, ils ne furent pas ébranlés. Ce furent les autres disciples qui semblent avoir été troublés. Dans une lettre adressée à ses disciples, l'allègement de la rétribution karmique, écrit page 200 à 202, Nichiren expliqua pourquoi ceux qui propageaient le bouddhisme dans la dernière période de la loi devaient subir diverses persécutions et ce qu'elles signifiaient. Il affirmait qu'il était possible, en étant persécuté pour le bouddhisme, d'extirper les racines du karma créées pendant d'innombrables cycles de vie et de mort depuis le passé infiniment lointain. Il affirmait aussi qu'il était possible d'atteindre l'illumination avec ce karma ainsi effacé en vivant le Sutra du Lotus ainsi qu'il l'enseigne. Dans plusieurs écrits, dans le traité sur l'ouverture des yeux, écrit page 220 à 300, et la lettre de Sado, écrit page 303 à 311, Nichiren expliqua comment prit fin sa vie de simple mortel lors de la persécution où il frôla l'exécution, et comment il acquit alors la qualité de Bouddha. Il employait cependant des expressions indirectes qui sous-entendaient la vérité en disant qu'il atteindrait sûrement la bouddhéité après la mort. C'est pourquoi de nombreux savants, prêtres et disciples n'ont pas saisi la véritable intention que renferment ces écrits.